qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Lily Rose? Purée, mon PC là, il est bloqué. Comment ça, il est bloqué? Bah en fait, j'étais en train de lire une légende là sur l'homme de bois et ça m'a mis ça et j'arrive plus à toucher à rien. Non mais comment ça? Non mais là, attends, t'étais en train de faire quoi? Bah, je sais pas, j'ai entendu un cri. Qu'est-ce qu'il y a, Lily Rose? Bah en fait là, mon PC là, il est bloqué sur ça. Voilà, sur ça. Mais c'est trop bizarre, t'étais en train de faire quoi pour qu'il soit bloqué? Bah j'étais en train de regarder une légende là sur l'homme de bois, sur ça. On dirait qu'il y a un virus dessus là. Mais oui. Attends, je vais essayer de toucher. Mais ça fait rien. Mais c'est abusé. Dis-moi, t'as fait quoi avec mon ordinateur? Mais rien, j'ai juste regardé une légende sur lui là. Mais qu'est-ce qu'elle raconte la légende du coup? C'était quoi la légende? Bah en gros c'est que bah justement si on regarde pendant longtemps des informations sur lui, bah il peut venir chez nous et ensorceler une personne. Attends, lui il va venir chez nous là? Ouais, et ensorceler une personne. C'est un homme en bois, tu crois qu'ils vont faire quoi? N'importe quoi. Ouais, bien. Bon, si tu veux, tu peux continuer à ranger cette pièce. Ouais, pas de soucis. J'espère que tu rangeais bien parce que là on en a besoin. Mais donc, non, faut que tu te rendes utile à habiter ici. Ouais, ouais, bon, essaie de redémarrer l'ordinateur, tout ça. Okay. J'arrive. Non, mais je rêve, la légende de l'homme de bois. J'en ai marre de tes bêtises, là. C'est quoi ça? Pourquoi c'est ouvert ici? Mais c'était fermé. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a quelqu'un ici? Eh oh! Y'a personne. C'est pas. C'est quoi ça? Attends. Lily Rose! Lily Rose! Quoi? Viens voir! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tu racontais pas que des bêtises. Non, il est là! Valentin, viens voir! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Purée! Non! Regardez! Non, c'est pas possible! Regardez! Je vais essayer de rallumer la lumière. C'est pas possible! Regarde! Qu'est-ce qui se passe si on touche? Mais je sais pas, mais c'est... Venez, on le ramène à la... Attends, vas-y, prends-le. Ok, ok. Purée, mais c'est quoi ça? Ramène-le dans la chambre. Et la porte... Non, dans la chambre. Et la porte était ouverte, là. Alors que j'avais tout fermé à clé. Non, mais là, j'ai cru halluciner. J'ai mis du temps avant de le voir, les amis, parce que j'ai cru halluciner que la porte soit ouverte toute seule. C'est exactement le même. Mais oui, c'est exactement lui. Il y a juste pas la même posture. Et attends, quand t'as lu la légende de l'homme de bois, c'était exactement lui aussi? Bah oui. C'était lui? Oui. Attends, c'était si bizarre. Et ça racontait quoi, la légende, là? Bah, en gros, ça racontait que si on gardait trop d'informations sur lui, il pouvait venir chez nous et ensorceler quelqu'un de notre famille. Et en gros, à chaque fois qu'on faisait un truc, par exemple, si je fais ça, et bah, la personne qui a été ensorcelée, elle va faire la même chose. En gros, ça permet de contrôler quelqu'un? Oui. Donc là, s'il est dans cette position-là, ça voudrait dire que quelqu'un de notre famille a été ensorcelé? Oui. Et dans cette position. Bon, là, les amis, c'est pas normal. Ouais. On devrait fouiller la maison, là, pour voir ce qui se passe. Déjà pour voir s'il n'y a pas quelqu'un de bizarre qui est rentré. Comme la porte était où? C'est quoi ça? Vous avez vu? Attendez. Pas normal. Attendez, on va le laisser là lui. Non mais c'est quoi ça? Regardez. Attendez. Eh oh! Qui êtes-vous? Vous êtes qui? Dis-moi, il est dans la même position que l'homme de bois. Non mais... Il faut ramener la figurine. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Genre, vas-y, ramène la figurine. Vite, ramène-la. Attends, je prends une photo pour témoigner. Non, mais vas-y, mets ça sur internet là, parce que c'est n'importe quoi. Et en plus, il est sur. Pourquoi il est sur des corbeilles là? Je vais faire bouger. Descendre le bras gauche. Vas-y. Oh, regarde, montre. Ça marche. Quand on baisse un bras, ça baisse un bras. Attends, vas-y, on va lever la jambe. Lever une jambe, la jambe gauche. Non! Ça marche! C'est en train de le faire. Vas-y, voilà. Remets-le dans une position normale. Ok. Essaye de. Oula, mais non, mais là, il est un peu penché là. Voilà, c'est ça va être bizarre. Bon, vas-y, on essaye de le faire courir. Attends, j'ai une idée. Ah ouais, parce que si on le met en position de courir, peut-être qu'il va se mettre à courir. Vas-y! Vas-y. Ouais, ça va pas marcher. Attends, mais il va se mettre en position de courir. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Oh, mais c'est pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Attends! Mais enfuis-toi! Prends-le! Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, on va le remettre normal! Il est en train! On remet normal! Vite! Cache-toi! Lily Rose, cache-toi! Ah, les amis, c'est incroyable! Viens! Oh, dans la pièce à chat! Dans ta chambre! Ok. Il a capturé Valentin! Purée!
Il a capturé Valentin. Comment on va faire là? C'est pas possible. Je pensais pas que ça allait faire ça en faisant des mouchettes. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas. Il faut aller récupérer. Bah ouais. C'est quoi ça? Ça vient de tomber par terre. C'est quoi ça? Une main en bois. Non, 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 arrête, parce que ça se trouve, ça va faire la même chose et ça va contrôler une main. Attends, ça contrôle la main de l'homme de bois. Ah ouais, peut-être. Attends, vas-y. Il faut qu'on... Les amis, on va aller voir ce que ça devient. On va aller voir ce que Valentin devient, parce qu'il faut quand même le sauver, même si c'est notre cousin et qu'il est un peu relou. Il faut quand même le sauver. Oh là, cette vidéo, elle était pas prévue, désolé pour la lumière. Je suis en train d'éclairer avec mon téléphone. Valentin, t'es là? Valentin, t'es où? Dans la pièce. Il est dans le shop, dans le magasin. Attendez, on y va? Ouais. Garde bien la main. Ok. Eh oh! Ouvrez! Elle est fermée à clé. S'il vous plaît! Comment on fait? Je sais pas. Attends, si tu fais semblant d'ouvrir la porte avec le poing, vas-y, fais semblant que le poing tient une clé, peut-être que ça va marcher. Vas-y, comme vas-y. Ça, là, on peut et fais semblant que ça ouvre la porte. Attends, vas-y. Vas-y, comme ça. Vas-y. Là, normalement, ça devrait marcher. Ça marche. Faites-le s'écarter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais c'est bon, on le contrôle. On contrôle sa main. Vas-y. Vas-y, viens, viens, viens. Venez. Vas-y, ferme la porte avec le poing de l'homme en bois. Vas-y. Ah, voilà, c'est bon. Oh, ça marche. Bon, on va garder cette main, ok? On a trouvé un moyen de le contrôler au moins. Ouais. Faut surtout pas perdre ça. Non, non. Mais comment on va faire? Non. Mais en même temps, t'as réouvert le poing. Mais c'est pas possible. Je suis bête. Bon, écoutez, c'est bon, voilà. Dans la légende de l'homme en bois, il t'a pas donné une solution pour le faire fuir? Il t'a pas donné une solution non. pour le faire fuir? Non, il m'a pas donné de solution. C'est pas possible. Faut peut-être lui demander, peut-être. En même temps, ça sert à quoi de lire des légendes si. Je sais pas, j'ai pas terminé. En tout cas, on va pas le laisser ici. Regardez, les amis, on est en train de faire notre magasin avec tous nos produits, nos gourdes, les CD qu'on vend, etc. Ouais. Le premier album de Lily Rose. On est en train de faire un beau magasin. On va pas le laisser ici. Allez, essayez de le porter là. Ok, je le porte comme ça, voilà. Allez, on va le faire sortir de la maison. Allez dépêchez-vous. Allez, on n'a pas le temps. Allez. Surtout que les amis, là, on devait justement travailler dans le magasin pour envoyer tous vos colis pour tous ceux qui commandent. Allez, mettez-le par ici. Allez. Mettez-le par ici. Et l'homme de bois dehors. Ne reviens plus jamais. Allez. Vas-y, ferme la porte, Lily Rose. Allez, ciao. Au revoir. Bon, là les amis, c'est catastrophique. Peut-être qu'il reviendra dans une autre vidéo, parce qu'à mon avis, une légende comme ça, elle va pas nous laisser. Bon, en tout cas, nous, on va gérer toutes vos commandes, parce qu'il y en a beaucoup qui commandent des gourdes en ce moment et des albums avec des vidéos dédicacées. Donc tout est sur notre site, vous pouvez cliquer juste ici. Et à la prochaine, ciao.